Bonjour tout le monde, c'est Liberta de Liberta Clan. Donc je vais vous faire un tutoriel sur une base qui est très très connue, mais qui est très très chiant à tripler, parce qu'il faut pas se louper quoi. C'est pas difficile si votre première partie est bien faite. Donc voilà, là-bas c'est ça. Donc cette base-là, comme vous pouvez le voir, je suis sûr que vous l'avez déjà vu en Hôtel de Ville 10. Donc c'est pas super compliqué à tripler si vous connaissez bien la technique. Donc moi, j'ai une petite technique qui marche bien. Il y en a qui le triplent en gomoball, bien sûr. Gomoball, c'est pas super compliqué non plus. Mais il faut pas se louper. C'est ça qui est chiant avec cette base-là. Donc, c'est une anti-2. D'accord? Donc, voilà, je vous explique. Il faut sortir le CDC pour pas avoir de problème. Donc, je vais attaquer du côté de CDC et je vais attendre que ma reine avance de ce côté. Ou bien, si elle se dirige de ce côté, bah, je ferai en sorte d'attaquer de ce côté. Mais tout va bien se passer comme prévu. Donc, je lâche ma reine ici, vous allez voir, avec les guérisseuses. Donc là, je vais lancer un cochon, mais je me suis trompé, j'ai lancé un sorcier. Mais ça a quand même sorti la def. Donc, je balance mon cochon, la def sort, le poison, très connu. Là, je vois que ma reine a commencé à encaisser, jeu, très important. Donc, n'attendez pas d'avoir la reine ici, là, au bout. Dès que la reine elle arrive au milieu, balancez la rage, prenez pas le risque bêtement, parce que ça m'a déjà arrivé de dire non, non, ça va aider, et finalement, ça s'est pas fait. Donc là, mes 15 briques, ils sont cassés la gueule, ils n'ont pas le brick. Donc paf, vous voyez, j'ai pété le mur, là, ça va rentrer. Je sais que ma reine, elle va se diriger de ce côté-là. Donc là, je vais lâcher un golem pour couper le chemin de la reine, vous allez voir, que pour que tout rentre ensemble. Donc ça, il faut le détruire pour pas que les boulisses tournent, parce que je vais lâcher des boulisses de ce côté, c'est très très risqué. J'attends que ça tape un petit peu de ce côté. Donc la reine, très très dangereux, j'étais obligé d'enrager. Et là, j'allais utiliser mon gel, mais j'ai vu que la reine tapait le TDE, et ça se passait bien. Et elle n'est pas morte, ce qui est une bonne chose. Donc là, il n'y a plus grand chose à faire. Ça y est, la première partie est faite. C'est le truc le plus chiant à faire, c'est ça. Donc je vais faire une guérisseuse au cas où je perds mes guérisseuses. Là, franchement, on a fait le plus dur. Juste les boulistes. Le golem, le roi, la reine, ça avance tout seul. Regardez, j'ai encore mes Valkyries. J'ai un bébé drague, donc je vais clean avec le bébé drague ici. Je lance le bébé drague. Ça fait un très bon clean. Ça avance. Je vais enracher mon roi parce qu'ici, il y a pas mal de réservoirs pour pas perdre de temps. J'ai encore ma rage, mon gel. Donc, hop, là, vous voyez pas, mais il y a un petit sapeur que j'ai lâché de ce côté. Mais ce con, à l'œil de rentrer là, il est parti là, et ici. Il ne va pas péter le mur. Et ça m'a un peu pris la tête. Donc, un truc très important, tant qu'il n'y a pas un grand trou ici, ne lâchez pas les Valkyries. Attendez, prenez votre temps. Sur ce genre d'attaque, il faut prendre son temps. Si vous vous précipitez, ça peut être la merde. Prenez votre temps. Donc voilà. Là, ça avance très très bien. Très très bien. Donc, je lâche les Valkyries. Les connes, elles vont aller là. Ça arrive. Et là, j'ai mis une rage pour que les boulistes prennent un coup et aussi le gel. Je vais geler celui-là. Regardez, vous allez voir. Rage. Là, je lâche des Valkyries. Donc là, j'ai gelé. Les Valkyries font n'importe quoi. Ici, ça va de ce côté, c'est un peu le bordel. Là, je me suis dit, bah, c'est bon. Là, ça va rentrer sur l'hôtel de ville. Tout va très très bien. Je lâche mes deux cochons qui viennent en aide. Sauf qu'il y a les Valkyries, regardez ce qu'elles font. Voilà. Normalement, j'aurais dû avoir un jump ici, vous voyez. Mais bon, j'ai pris le risque de ne pas le prendre. Mais vous pouvez le prendre si vous voulez. Donc tout se passe bien. En temps normal, je mets un jump ici. En temps normal. Sauf que là, j'avais hésité. Au lieu du jump, j'ai utilisé une rage. Ce qui n'était pas mauvais. Ça dépend des villages. À vous de voir. Soit vous mettez une rage, soit vous mettez un jump. Vous choisissez quoi. Donc toujours, attendez, très important. Il y a toujours 2-3 archers qui doivent être à la fin. N'utilisez jamais 2-3 archers parce que souvent en GDC, il reste une cabane sur le côté et c'est la merde. Donc gardez vos archers. On ne sait jamais, gardez vos archers. Et là, ça va m'aider, regardez. Hop, ça m'a fait avancer. Et là, les Valkyries se tournent sur l'hôtel des villes, bien sûr, ce qu'il reste à la fin. Et là, ça va faire un joli 3 étoiles. Donc voilà, cette base-là, et c'est pas la mort, c'est pas super compliqué. Il faut juste pas se louper. C'est-à-dire se louper l'arène. Il faut pas que vous perdez l'arène dès le début. L'arène, c'est très très important. Donc voilà, j'espère que ça va vous aider ce tutoriel et que ça vous a bien plu. Bon, sur une prochaine tutoriel, à bientôt. Ciao!